Merci, Fred. Voilà, on va passer un peu plus à la pratique. Okay, we're going to get into more time of practice. Je vais inviter Jean-Marc Bigler à monter. We're going to ask Jean-Marc Bigler to come up. Il va prêcher courtement. He will just give a short message. Et ensuite, il veut vraiment prier. And then we're going to have time of prayer. Et faire de la délivrance d'une manière publique. And have a time of deliverance publicly. J'aimerais demander que pendant ce temps, on n'ait pas de caméra et de photos. I'd like to ask that while this time is going on, that there would be no pictures taken. Qui soit orienté sur le public. And this is going to be public. Merci de respecter la sphère privée de chacun. So thank you to respect the private sphere of each individual. J'aimerais juste dire ceci avant de donner la parole à Jean-Marc. I'd like to just say this before I give the word to Jean-Marc. Ce matin, Samuel a enseigné et il nous a montré cette image de la pomme. This morning, Samuel was teaching us and he gave us the example of an apple. Et quand on écoute ceux qui sont dans la relation d'aide, on a le sentiment que tout devrait se régler par la relation d'aide et l'accompagnement. Et quand on écoute ceux qui sont dans la délivrance, ce que je suis aussi, on a parfois le sentiment que tout doit se régler simplement en chassant des démons. Sometimes you get the feeling that everything has to be regulated through casting out a demon. Et je crois qu'il y a réellement un équilibre. And I think no, there is a balance in this. Il y a réellement des démons à chasser. There are really demons to cast out. Mais parfois il y a des gens qui sont blessés. But sometimes you have people who are hurt. Et qui ont besoin simplement d'être guéris. And they simply need to heal. Et à ce moment-là, ils ont besoin d'un accompagnement. They just simply need to be accompanied by someone. Dans la relation d'aide. In counseling. Mais pour cet après-midi, nous voulons poursuivre dans la délivrance. But for this afternoon, we want to continue on with deliverance. Et je crois que c'est une bonne opportunité pour chacun et chacune d'entre vous. And I think it's a good opportunity for each one of us. De recevoir la délivrance cet après-midi. To receive deliverance this afternoon. Jean-Marc, sois le bienvenu. Jean-Marc, welcome. On se réjouit de t'entendre. À toi le micro. Que Dieu te bénisse. Des fois, c'est dangereux d'applaudir un peu vite. Sometimes it's dangerous to clap your hands too fast. Qui croit que Jésus est Dieu plein d'humour? Who believes that Jesus Christ is a God full of humor? Personne. Nobody. Ah, il y en a quelques-uns. Oh, some. Alors, imaginez qu'il met un fermier en troisième position après un docteur en théologie et un pasteur qu'on connaît dans le monde entier, et moi le fermier, je viens le troisième. Just imagine, there is a farmer, there is a doctor in theology, then there's another man who is known all over the world. I'm the farmer, I'm the third one. Tout ça pour vous dire que Dieu peut utiliser n'importe qui. Just to tell you that God can use anyone. Alors vous serez impardonnable si Dieu vous appelle et que vous répondiez pas. Et donc, you will be unforgiven if God calls you and you don't answer. En écoutant mes deux prédécesseurs, as I was listening to the two people who were before me, je me disais qu'en matière de procréation, I was thinking about procreation, la pratique et les fruits, the practice and the fruits, étaient beaucoup plus importants que la théorie. Were more important than theory. Moi. Who agrees with me? Ils n'ont pas l'air convaincus. You're not convinced tonight. Et pourtant, c'est vrai. Yet it is true. Donc je suis un homme de terrain. So I'm a man from the ground. Un homme de pratique. A man of the field, a practical man. Et après ma propre délivrance en 1975. And after I was delivered in 1975. Dieu m'a appelé et depuis là pratiquement tous les jours je m'occupe de personnes en détresse. God has called me and since that time practically every day I'm taking care of people who are distressful. Donc je suis un homme de terrain. So as I'm a man of the field, I know. Et je sais que je sais que je sais. And I know that I know that I know. Que lorsque Dieu se manifeste, that when God manifests himself, lorsque le doigt de Dieu est à l'œuvre, when the hand of God is working, les esprits doivent partir. The spirits need to leave. Donc ce matin a été lu ici Esaïe 61. So this morning we read Isaiah 61. C'est la prophétie comme quoi Jésus serait l'homme qui allait la vivre. The prophecy that Jesus was going to be the man who was going to leave it. Et c'est le testament qu'il nous lègue. And it's also the testament he gives to his church. Mais permettez-moi de regarder un tout petit peu dans le contexte ce que nous allons vivre. But let's see also in the context of what we're going to see. En Genèse 3:15. Genesis 3:15. After the fall. Dieu a maudit le serpent. God cursed the snake. Et lui a dit, la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. And say, the woman will scratch your head and you will beat her heel. Église, church. Dès ce moment-là, nous sommes dans un combat. Nous... From that moment on, we are on a fight. We are on a fight. Yes. Où deux forces d'attraction se manifestent dans le monde. D'une part, le trône de Dieu qui veut nous attirer vers sa justice. On one side, the throne of God wants to attract us to his justice. Et sur toutes les promesses de la parole. And on all the promises of the word. Pour que nous ayons une vie de victoire et une vie d'abondance. So that we may have a life of victory and of abundance. Et d'autre part, and on the other hand, cette force d'attraction du monde des ténèbres qui nous tire dans le trône, vers le trône des ténèbres, the throne of darkness, afin que nous soyons incapables de vivre les promesses de Dieu. So that we are unable to experience the promises of God. D'un côté, le trône de la justice de Dieu. On one side, the throne of justice of God, qui veut aligner toutes ses promesses dans nos vies. Who wants to express all his promises in our lives, afin que nous soyons des serviteurs et des servantes à plein temps. So we may be servants and full-time servants for the Lord. Nous sommes tous à plein temps pour le royaume de Dieu. Because we are all full-time for the kingdom of God. Moi, j'ai travaillé toute ma vie à plein temps dans une ferme et à plein temps pour le royaume de Dieu. I've worked all my life full time in a farm and full time for the kingdom of God. Et nous sommes à plein temps. L'église, c'est du lundi matin jusqu'au samedi soir à plein temps où vous êtes. And we are full time. The church is full time from morning to Saturday night where you are. Avec une réponse. With one answer. Beaucoup de réponses. Many answers. Et c'est ce que Dieu a fait lorsqu'il m'a touché. J'étais converti à 13 ans. Je suis issu d'une famille chrétienne depuis très longtemps. J'étais plein de problèmes, des peurs, des craintes, des angoisses. Many problems, anxieties, fears, problems. Je me réveillais complètement bloqué au plexus. I was blocked pendant la nuit. In the night. Angoissé. Awakened, I was full of anxiety. Des pensées impures dans ma tête. With impure thoughts in my heart. La peur du cancer. The fear of cancer. La peur de la maladie. Fear of sickness. Tous les symptômes de l'infarctus. All the symptoms of infarctus or heart attack. Et j'allais trouver mon médecin, il n'y avait rien. I would go to my doctor, there was nothing. Je sais ce que sont les angoisses. I know what the anxieties are. Ce que c'est la peur. I know what it is to be afraid. La peur de la mort. The fear of death. Ces angoisses qui te tiennent. Those anxieties that are holding you. Et tu es ancien. J'étais ancien dans mon église. I was an elder in my church. Je priais avec ma femme. I was praying with my wife. On prie encore, bien sûr. We still pray together, of course. Et je combattais. And I was fighting. Mais j'étais tout à fait ignorant du monde des ténèbres. But I was so ignorant of the world of darkness. Jamais pu imaginer que le monde des ténèbres avait des droits sur ma vie. I could never imagine that the world of darkness had rights on my life. Et le combat que j'ai eu, peut-être que vous l'avez maintenant. And maybe the fight I had, maybe now you have it. Comment comprendre qu'un chrétien puisse avoir des mauvais esprits? How can you believe and understand that a Christian can be affected by evil spirits? Comment comprendre que le malin puisse collaborer, être, pas collaborer, mais être à côté du Saint-Esprit? How is it possible to understand that even the evil one can be side by side with the Holy Ghost, not collaborating together, but still on his side? Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise avec l'adultère? Do you think the Holy Ghost is very happy when there is adultery? Avec la pornographie? With pornography? Avec la colère, la violence? With wrath and violence? Les paroles blessantes, méchantes? With evil words? Est-ce qu'il est à l'aise avec les cancers, avec Alzheimer, avec la folie? Is he at ease when there's cancer, Alzheimer, craziness? Est-ce qu'il est à l'aise avec la dépression? Is he at his ease when there is depression? Et l'image que vous avez du royaume des cieux, quelle est-il? Est-ce que vous imaginez que dans le ciel, il y a des conteneurs de maladies que Dieu a un grand plaisir à balancer sur la terre? Dieu est un Père. Combien de fois j'ai entendu ma femme qui disait, si je pouvais, je prendrais cette maladie sur moi. On avait un fils, fils qui faisait des crises d'asthme. We had a son who had asthma crisis. Elle aurait aimé se substituer à lui pour prendre sur elle. She wanted to take it over him herself. C'est ce qu'il a fait à la croix. And that's what Jesus did on earth on the cross. Il a souffert. He suffered. Il n'y a pas 10 croix, il y en a une. There's not 10 crosses, there's only one. Pour mes péchés, for my sins, pour mes maladies, for my sicknesses, pour vaincre toutes les puissances. To overcome to all, above all the powers. Une seule croix. Only one cross. Un seul sacrifice. One sacrifice. Des souffrances terribles. Sufferings, terrible sufferings. Alléluia. Alléluia. Il l'a vaincu. He has overcome. La première fois que j'ai vu un esprit se manifester au travers de ma bouche. The first time I saw a spirit manifest himself through my mouth. Il y a peut-être 30 ans, je savais que je savais que je savais qu'il y avait un abîme entre ce que dit la parole de Dieu et ce que j'avais vu en proclamant cette parole. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est la vérité. La réalité, les hommes sont pas tous sauvés. But the reality is that not everyone is saved. Dieu veut que nous soyons libres. God wants us to be free. La réalité, nous le sommes pas. The reality is that not everyone is free. À cause de toutes les souffrances que nous avons. Because of all the sufferances we have. Et la maladie and the sickness et la délivrance est étroitement liée. And deliverance are really linked together. Le don des guérisons. The gifts of healings. Combien de fois j'ai vu des miracles, des gens instantanément guéris, les esprits d'arthrite qui partaient les mains, hop, d'un coup complètement droit. How many times have I not seen healings, instantaneous healings with spirits of arthritis straightening the hands? Quelle est la limite que tu mets à ce Dieu cet après-midi? What is the limitation you give to God this afternoon? Nous sommes forts. We are strong. On est puissant. We are powerful. Par lui. By him. Son doigt va agir. His finger will act. On a gagné. We have won. Une fois déjà. Already once. La première fois. The first time. Alors qu'on était spermatozoïdes et ovules. As we were just spermatozoids. Et on a gagné puisqu'on est qui on est. And we won because we are who we are. Hallelujah. Hallelujah. Nous sommes en Jésus une puissance. We are in Jesus Christ a power. Et nous devons croire que ces esprits doivent partir. And we have to believe that those spirits need to leave. Zacharie a prophétisé sur Jésus qui était dans le ventre de Marie. Zacharie prophesied over Jesus when he was still in the bosom of Maria. In Luke 1:74. Un Seigneur qui nous délivre. A Lord that will rescue us, set us free from our enemies. Même si c'est quelquefois malheureusement vrai, ce ne sont pas nos femmes et nos maris qui sont nos ennemis. Even though if it's true that it's not our husbands or our wives that are our enemies. Il nous délivre de nos ennemis. But God, Jesus sets us free from our enemies. Afin que nous puissions marcher dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. So that we can walk on righteousness and holiness every day of our lives. La vie sans délivrance est une marche difficile. Life without deliverance is a very hard walk. Very hard walk. Frères et sœurs, c'est vrai, c'est tout noir. Brothers, sisters, it's true, it's all dark right now. Mais je vous vois dans l'esprit souffrir. I can see you in the spirit suffering. Je vois des chaînes. I see chains. Je vois vos cris, votre souffrance. I see you suffering. Je vois vos larmes. I see your tears. Vous avez tout essayé, vous avez jeûné. You have tried everything. Vous avez prié. You have fasted. Vous avez crié. You cried. Vous avez supplié. You have entreated. Et rien n'a changé. And nothing changed. Parce que l'ennemi a des droits sur vos vies. The enemy has some rights on your life. Il ne suffit pas de demander pardon pour effrayer l'ennemi. It's not enough to just ask forgiveness to scare the enemy. Pardon n'est qu'une partie de la victoire. Forgiveness. Il me met en règle avec Dieu. To be right with God. Si je mets une femme enceinte en dehors du mariage, j'ai beau demander pardon à Dieu. If a person has someone outside of his wedding and the girl is pregnant and you just ask forgiveness to God, ça ne va pas changer nos problèmes. It will not change the problem. Il faut que tout ce que l'ennemi a comme droit sur ma vie soit traité. It's necessary that every rights that the enemy has on your life may be treated. Jésus Jesus s'adressait à ces esprits, was talking to those spirits, les cœurs brisés, les cœurs blessés, the broken hearts. Je ne te vois pas, mais ton visage rit. The hurted heart. I see, but you face smiles. Et tu caches ton masque derrière la bonne humeur. But this is just a mask that you have behind you. Et pourtant smile. Ton cœur pleure. And your heart is crying. Ton cœur saigne. Your heart is bleeding. Tous ces masques. All those masks. Pour paraître. To appear. Parce qu'on n'ose pas être. Because we don't believe. Tellement we don't ça fait mal. Be. So much is hurting. Et peut-être que tu n'as jamais eu l'opportunité de toucher. And maybe you never had the opportunity to touch le vêtement du maître. The garment of the master. Mais il est là. But he's there today. Il est là. He's there. Je l'ai vu. I've seen je l'ai vu agir. I've seen him acting. Chaque jour, je le vois agir. Every day I see him libérer des sorciers, setting free witches, des médiums, and mediums, des hommes et des femmes qui avaient fait des pactes de sang. Men and women who had plus d'espérance, blood alliances, aucun espoir. There no more hope. Et il est descendu. But he came down. Il a touché. And he touched. Il a manifesté sa gloire. He manifested his glory. Il est là. He's there. Il est là. He's there. Il veut guérir. He wants to set free. Il aime guérir. Il loves to heal. Il veut libérer. He wants to set free. Il aime le faire. He loves to do it. Il a tant souffert pour que mes chaînes soient brisées. He so much suffered so that my chains may be broken. Il a brisé mes chaînes. And he broke my chains. Combien de fois, comme je l'ai fait avant 1975. How many times, as I did it before in 1975, je chantais de tout mon cœur. I would sing with all my heart. Il a brisé mes chaînes. He broke my chains. Je suis libre. I'm free. Et ce n'était pas vrai. And it was not true. Je n'étais pas libre. Nous, on n'est pas libre de la soif. Hein. I was not free, and we are not freed from thirst, actually. C'est toujours le coup. Hein. Les orateurs, ils boivent en parlant, puis tout le monde a soif dans la table. You know, it's always the same thing. The speakers drink while they talk. De toute façon, si on partage, il n'y a pas beaucoup. And hein. Everyone in the room is thirsty, and actually, if we share it, there's not a lot here. Alors, autant qu'on ait suffisamment nous-mêmes. So it's better we have enough for ourselves. Je ne sais pas si c'est un fruit de l'esprit, mais en tout cas, il désaltère. I don't know if it's a fruit of the Holy Ghost, but it really takes away the thirst. Satisfy. Moi, je vous dis, jusqu'à 41 ans, j'ai assez souffert. Really, until I was 41 years old, I really j'ai tout essayé. I tried everything. Et le mal empirait. And it was worse. Et Dieu m'a donné de l'eau vive. And God gave me living water. Je suis en train de faire tout un travail sur l'iniquité. I'm making whole work on iniquity. Et pas plus tard que la semaine passée avec ma femme, on se priait parmi. Je ne sais pas si tu vas arriver à traduire. On se priait parmi. C'est du français. Oh, mais... C'est du français, ça? Il me demande si c'est du français. With my wife, we were priés parmi. No, c'est-à-dire qu'on se prie l'un l'autre. Ok, we were praying for one another. Oui, mais ça ne veut rien dire ce que tu dis. Enfin bon, se prier parmi, vous êtes d'accord qu'il y a une saveur qu'on n'arrive pas à traduire. Yes, it's difficult to translate that. Eh bien, la semaine passée, on s'est pris une bonne série de délivrances. And there we had a real series of deliverance. Ouf, ça fait du bien. Oh, it was great. Jusqu'au bout, on en aura besoin. Until the end, parce que le Seigneur purifie, il enlève. Because the Lord purifies, it takes away. Comment Jésus les chassait? How did Jesus cast? Il les chassait par la parole. He cast it by the word. Par la parole. By the word. Et le meilleur moyen, je vais bientôt entrer dans une délivrance, on est limité dans le temps. Mais le meilleur moyen, c'est de vous mettre d'accord avec le Saint-Esprit qui vous parle. But the best way is to be in agreement with the Holy Ghost that speaks to you. Dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. And say, Holy Ghost, I need change mon mauvais caractère. Change my bad character. Mes colères. Mes pulsions sexuelles. My sexual critique. My critics. Et tout y quanti. And all the rest. Tout y quanti. Et toute la combine. Hein. And toute la combine, exactly. Tout y quanti. Il faut être décontracté pour la délivrance. You know, when you talk about deliverance, you really have to be relaxed. Si vous êtes contracté, ça ira pas. If you are not relaxed today, it won't work. C'est comme pour les naissances, il faut au moins qu'il y ait 4 sauts de dilatation, autrement c'est fichu. You know, it's like for the birth, that you need a good dilatation, otherwise it doesn't work. T'as pu traduire? Yeah. C'est bon. I hope so. Ils sont sérieux, hein? They are serious today. On a le droit de rire, là, on n'est pas à l'église, hein? Hey, we can laugh, we're not in the church today. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ok. Alors vous allez participer. So you're going to participate with us. Encore juste quelque chose avant. Still something. Jean 10:10. John 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. The thief just comes to kill, destroy. Mais Jésus dit. And steal. Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. But Jesus says, I came so that my sheep have life. Et qu'elles soient dans l'abondance. And that they be in abundance. Il y a un abîme entre la vie et l'abondance. There is a real gap between ces deux choses life and abundance. Diamétralement opposées. It's two different things, completely opposed things. Ça n'exclut pas les larmes, les pourquoi, les comment. It does not take away the tears, the whys, the how. Mais ce sont les larmes, les pourquoi, les comment qui viennent du cœur de Dieu. But those are whys and hows that come from the heart of God. Qui partage son fardeau avec nous. Who shares his burden with us. Le voleur, the thief, veut ta vie. Wants your life. Physiquement. Physically. Celle de ton mari. The one from your husband. Il veut tes enfants. Who wants the children. Si c'est pas physiquement, il veut les entraîner dans le monde. And if he doesn't want them physically, he wants at least to bring them to the world. Il veut ton couple. He wants your couple. Il veut ta santé. He wants your marriage, your Le voleur veut tes finances. He wants your finances. Le voleur veut l'appel que Dieu a mis sur ta vie. He wants the call that you have, that is on your life. Le voleur veut tout ce que tu as de meilleur. He wants all that you have the best. Qu'est-ce qu'on a de meilleur? What do we have? On peut répondre mon conjoint, mes enfants, ma situation. Spouse, my children, my situation. Bien sûr que tout ça c'est légitime. Yes, all that is that. Mais il veut au-dessus de tout. But above all, ce qu'il veut. What he wants. C'est ton temps de lecture de Bible, de la parole. C'est ton temps de prière. Et t'empêcher d'aller dans sa présence. Pour l'entendre, le voir, recevoir de lui, être dans une présence qu'il a promis à chacun de nous. Frères et sœurs, nous sommes face au mur. We are just straight face to the wall. C'est tellement sombre que je ne sais plus si c'est l'après-midi ou le soir, mais nous sommes face à un choix. Ce choix que j'ai dû combattre à Vichy en 1975. And when I was 1975 in Vichy, I had to fight that. Ce qui se passe dans ta tête, je l'ai vécu. Où l'ennemi venait me dire tout ce que je faisais de formidable. C'est la première fois que je l'entendais dire quelque chose de formidable de ma part. Tu es ancien dans une église. Tu pries avec ta femme. Tu as un bon témoignage. Alors que les heures d'avant, il me disait tout le contraire. T'es nul. T'as aucune valeur. Nothing, no tu ne pourras jamais prêcher, tu ne pourras jamais rien faire. Et hop, il avait changé les ondes. The waves. Et ça se passe dans ton cœur. C'est ton combat maintenant. Ton combat. Mais moi, je n'ai pas besoin de délivrance. But I don't need deliverance. Mais moi, je n'ai pas de mauvais esprit. C'est pas grave d'en avoir. C'est embêtant de les garder. Il vaut mieux avoir des mauvais esprits qu'on peut chasser que d'avoir un cancer. Et on est dans une conférence de guérison. Je sais que Dieu guérit. Tu es face à un choix. Seigneur, sonde-moi. Viens en moi. Touche-moi. Circoncis mon cœur. Établis ta justice en moi. Enseigne-moi ta vision, tes plans, afin que je puisse entrer dans ce que tu veux. Mets en lumière tout ce qui n'est pas en règle avec toi. Le pardon à accorder ou à recevoir. Mais en lumière tout ce qui est charnel. Oh, bring to light everything that is carnal. Mes pensées, mes décisions, my thoughts, my decisions, mes motivations, my motivations, mon attitude de cœur, my attitude of heart. Juge toute motivation, judge all motivation, qui est contre ton projet pour ma vie, et qui s'élève encore and that is raising again, contre ta volonté et tes desseins. Your will and your purposes. Alors, je vous Donc là, j'allais dire, je vous propose, mais beaucoup plus que ça, faites quelque chose. Les mauvais esprits partent à cause de la puissance du nom de Jésus. Evil spirits leave because of the power of the name of Jesus. Ils partent au travers de quelqu'un qui est comme un canal du ciel sur la terre. They leave through someone who has like a vessel from heaven on earth. Les dons que Dieu m'a donnés sont pour vous. And the gifts that God gave me are for you. Pour que vous puissiez prendre la victoire. So you may take victory. Et cette femme qui avait cet esprit de mort ou de jalousie, and this woman who had the spirit of death and jealousy, il va partir. And it will leave. C'est l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, Dieu libère son peuple. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. C'est maintenant. Pas demain, après-demain. Jésus priait pour 10, 20, 30 000 personnes tous les jours. Vous croyez qu'il pouvait faire des thérapies à perpète? Pas possible. C'est la puissance de Dieu qui libère son peuple. Alors faites quelque chose. Même si en vous, vous vous dites, mais moi, j'ai rien. Toutes les femmes qui ont été faire des scanners ou des mammographies, beaucoup n'étaient pas convaincus d'avoir un cancer. Et pourtant, le scanner a mis en évidence le mal qui était là. Et le Saint-Esprit est comme un scanner parmi nous. Et il met le doigt sur les chaînes, sur les droits, afin que les esprits partent. Dieu m'a oint pour libérer son peuple. Non seulement son peuple, mais partout où il m'envoie, je le dis à sa gloire, il y a une cassure dans le monde spirituel, une ouverture qui se fait. Et le doigt de Dieu est ici. Alors arrêtez de raisonner, de savoir qui est là. On n'a pas besoin de savoir leur nom. Ils doivent partir. Et croyez qu'il va le faire. Il y a là toute une équipe qui peut vous aider. On va peut-être être dépassé, mais ça ne fait rien. En Afrique, c'est des milliers de démons qui partent. C'est Dieu qui agit. Donc faites quelque chose. Alors c'est quelque chose. La conversion fait lever la main. Ça n'impressionne pas Dieu qui tire les nuages en disant à Malais, ils sont impressionnants, il lève les mains. C'est un signe. Je me mets en accord avec lui. Alors, esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. So in Greek or Hebrew, spirit means breath. Et le meilleur moyen de les faire partir, c'est de les souffler dehors. So the best way to get rid of them is to breathe them out. C'est un acte de foi, un acte de volonté. An act of your will. J'ai été des heures et des heures et des heures face à des esprits qui ne voulaient pas partir. Bien sûr, manque d'expérience, peu d'autorité. Mais maintenant, ça n'arrive plus. À ceux qui m'ont fait le plus transpirer, c'est ceux qui disaient on est tous loin. On est tous loin. Ça veut dire qu'il en restait au moins un qui pouvait être le porte-parole des autres. Ou un qui disait on est tous partis. Ça revient au même, mais c'est notre manière de voir. C'est un monde de menteurs. Alors, soufflez-les dehors, un acte de volonté. Et vous allez voir, je vous mets au défi. Je sais qui est mon Dieu. Je sais comment il agit. Je suis un humble serviteur. Si vous faites quelque chose, ils vont partir. Et ça sera le commencement d'une vie nouvelle. Alléluia. Je vous encourage, si vous vous mettez à pratiquer la délivrance, ne criez jamais. Les mauvais esprits n'ont pas des appareils auditifs. C'est comme avec les enfants, plus on crie, plus ça va mal. C'est vrai qu'il y a des prises de position dans le monde des ténèbres. Mais il y a tellement de crainte dans le peuple de Dieu par rapport à la délivrance, tellement d'angoisse, peur de ce qui va arriver, que les cris ne font que d'accentuer la peur. Alors je vais simplement prier et puis ensuite on va entrer dans la pratique. Seigneur, on te remercie pour la victoire que tu as acquise à la croix. Jamais, jamais, jamais assez longtemps. Never, never, never long enough. On te dira merci de nous avoir arrachés à la mort spirituelle. Merci pour cette œuvre parfaite qui non seulement lave nos fautes et nous justifie, mais qui nous libère d'esprits impurs. On te demande pardon pour nos propres fautes, pour notre iniquité, pour l'iniquité de nos pères et pour leurs propres péchés. On se défait de toute forme de malédiction qui nous touche, qu'elle soit la conséquence de nos fautes ou de celle de nos pères. Père, avec ton aide, je choisis de pardonner tous ceux qui m'ont fait du tort, même si c'est tellement difficile. Even if it's so hard. Tu vois que humainement je peux pas. You see that humanly I can't. Mais je tends ma main. But I viens m'aider. Stand my hand. Come and help me. Come and help me. Et je pourrai le faire avec ton aide. And I will do it with your help. Vous, esprits impurs et méchants qui me tourmentez, vous m'avez assez fait souffrir. Cet après-midi, au travers de ces trois intervenants, j'ai compris que tu règnes sur ma vie. Tu me tourmentes. Tu as mangé les promesses que Dieu avait données sur ma vie. Jesus had given to my life. Et tu me détruis. And you are destroying me. Avec l'autorité du nom de Jésus, but with the authority of the name of Jesus, ennemi, je te résiste. I resist you. Je renonce à ton pouvoir, à ta puissance. I renounce to your power, et je me défais par l'autorité du nom de Jésus de tous les pactes ou les alliances qui ont été faites dans les ténèbres. Esprit qui me tourmentait, vous m'avez fait assez souffrir. Je vous hais. Vous devez sortir maintenant, dans le nom de Jésus. Je lis l'homme fort qui règne sur chaque personne ici, et je brise le pouvoir de l'ennemi. Maintenant, entrons dans la pratique. Esprit qui tourmentait le peuple de Dieu, sortez maintenant. Sortez, au nom de Jésus.